Voilà, à nouveau avec notre rendez-vous. Je me trouve aujourd'hui en Suisse, à côté de la Vallée d'Aoste. Donc, nous sommes dans le Valais, chez nos frères valaisans, pas loin de Martigny, une petite demi-heure de Martigny, dans la vallée de Trian. On va découvrir aujourd'hui un barrage très important, le barrage des Mossons, mais je ne vais pas le faire tout seul, bien sûr. Ce sera une guide du patrimoine qui va m'accompagner, ce sera Ginette que je vais rencontrer d'ici peu. Alors, suivez-moi. Mais bonjour Jeannette. Oh, ciao, ça va? Bonjour, oui, ça va bien, merci. Oh, oui, bien. Avec le Mont Blanc Express. Oui, alors, donc ici arrive le train Mont Blanc Express. Ouais, ouais. Et on part à destination. On va partir vers Mossons. Vers Mossons. J'ai vu qu'il y a une petite pancarte. Est-ce que oui. Tu peux m'expliquer un peu comme ça on aide, tu m'aides à comprendre bien ce sûr, qu'on va faire. Bien sûr. Vous allez vivre quelque chose d'assez exceptionnel puisqu'on va prendre trois moyens pour grimper jusqu'à Mossons. On va prendre le funiculaire d'abord. Donc nous sommes là, nous le sommes Châtelard. Là, la gare du Châtelard, exactement. Parfait. D'ici, on monte. On va prendre le funi. Celui-là, il a 87% de pente maximum. C'est spectaculaire. J'ai vu que c'est l'un des plus rapides. Les plus raides. Les plus raides au monde, n'est-ce pas? Exactement. Mais toi, t'as pas peur? Non. Ça va? Non, non, d'habitude. Mais c'est vrai, c'est moi qui ai peur. Non, non, d'habitude. Ce qui est impressionnant, c'est lorsque les deux trains se croisent. Peut-être que vous allez voir, peut-être on va vivre ça. À un moment donné, on va se croiser. OK. Et donc, puis on va monter, on va arriver au Montuire, à 1825 mètres d'altitude. D'accord. Après là, on prend un deuxième, n'est-ce pas? Après là, nous allons faire une petite halte. Nous allons faire une découverte assez intéressante. Et ensuite, on va prendre... Celui-ci, le panoramique, exactement, qui va passer ici. Donc un train qui va tout à côté sur la montagne. Qui va arriver jusqu'au pied du barrage. Ah, au pied du barrage, mmh. Parfait. Donc celui-là est moins spectaculaire au niveau des sensations de montée. Par ouais. contre, est beaucoup plus intéressant et spectaculaire pour au la niveau vue. De la vue. Exactement. Et ensuite, une troisième expérience, ouais. depuis le pied du barrage, exactement, jusqu'au au sommet du barrage des Mossons. Jusqu'à arriver à la retenue. Avec le mini funique. Avec le mini funique, oui. Donc trois, parfait. Exactement. Et le mini funique, on est à peu près, on peut être à 73 de pente maximum. Donc le plus raide, c'est celui-ci, à 87. Et ensuite, le dernier petit trajet à 73. Alors finalement, je vois qu'on a un beau parcours à faire. T'es prête, on y va? Oui, oui, alors. Et c'est parti. Bonjour monsieur. Bonjour.
s'il vous plaît, 2 tickets pour monter jusqu'à Émosson, jusqu'au barrage. Aller-retour ? Aller-retour, oui. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci, merci, au revoir, monsieur. Au revoir. Alors, moi je suis prête, je suis là avec Cyril May, responsable, directeur de Vertical Alpes, soit du point de vue administratif que commercial. Exactement. Alors, je suis un peu tendue parce que je sais que c'est quand même une expérience très particulière. Ça commence à partir, c'est l'une des plus raides au monde, cette funiculaire. Alors, c'est l'un des funiculaires à double cabine les plus raides du monde, ouais. Avec une pente maximale de 87% où on va croiser l'autre cabine qui descend. Elle date de combien d'années, cette funiculaire ? Alors, cette année, on va fêter les 100 ans de la voie du funiculaire. Donc, la voie est d'origine, oui. On n'a pas changé la voie depuis il y a plus de 100 ans maintenant. Combien de personnes chaque année cette funiculaire amène à nous? Alors nous, on a créé Vertical Alpes Émosson, c'est la sixième saison qu'on exploite Vertical Alpes Émosson. La première année, on avait environ 30 000 personnes. L'année passée, on a fait 50 000 personnes. Ah waouh, donc c'est toujours un augmentant. Une belle progression et c'est sur 156 jours d'exploitation. On a ouvert que de printemps à automne. Et là, on voit maintenant justement la partie la plus raide, où on voit les deux voies avec plus de 87% de pente. Voilà, donc là, on se prépare à la partie. Ouh là 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 là, là on a. Ouh! Il paraît d'aller dans un paradis, finalement. Donc, l'émotion est très très forte, je dois dire. Cyril, tu m'as amené où? Alors ici, on est au cœur du parc, au Montuil, où depuis l'année passée, on a monté le village des branchés, que je vais vous faire découvrir. Des branchés? Pourquoi branchés? En fait, c'est juste vous, en regardant, vous comprenez. Okay. Pourquoi branchés? C'est vraiment fait à base de bois, de branches tressées, toutes ces structures-là. D'accord. Donc là, on arrive à l'entrée du village. Ouais. Et on voit qu'il y a 5 thèmes différents. Voilà, pour exprimer la créativité des petits et des grands. Ça peut être de la musique, du modelage, du dessin, de la mosaïque. Et les gens sont libres en fait de venir ici, passer une journée avec leurs enfants, leurs petits-enfants, jouer dans la nature, exprimer leur créativité. On peut faire une grillade aussi, il y a un foyer qui est là. Et de temps en temps, il y a aussi des animateurs qui sont là pour encadrer tout ça. D'accord, on y va alors. Allons-y. On est au cœur d'une exposition qu'on a au nouveau Montuire, toujours au Montuire. Derrière nous, les ateliers du petit train. Et du coup, ça permet aux gens d'occuper leur temps d'attente, parfois entre les installations, en leur offrant une exposition gratuite de balances anciennes, Perkel, Bosch. Voilà, les meilleurs au monde. Donc, vous avez ici toute une d'original, c'est magnifique. Oui, alors c'est toute une collection privée. Donc, c'est un passionné qui fait le tour de l'Europe pour récupérer les anciennes balances chez des particuliers. Et après, il le fait restaurer dans le Val d'Ost chez un artisan. D'accord. Et il finit ici en exposition. Ben, c'est magnifique. Je vois il y a des morceaux uniques, c'est vraiment spécial.
Et donc les gens, comme tu disais, ils sont là, donc ils peuvent profiter de ça et même réfléchir un peu parce que je vois qu'il y a aussi des systèmes différents par rapport à, disons, au fonctionnement du poids et des trancheuses, bien sûr. Tu sais, chez nous, le jambon, c'est fameux. Donc, bien sûr. Vous avez ici la trancheuse pour couper le jambon. Il y a différents modèles, différentes époques, des choses qu'on ne voit plus. Voilà, c'est ça. Très bien, merci, ça complète parfaitement. Merci. Très bien, merci. Alors, on est ici avec Luc Pignat, finalement le directeur de l'Office du tourisme de la vallée de Trian, une vallée qui est riche de trésors. Aujourd'hui, on va en découvrir un, on dévoile pas trop, mais finalement, c'est une vallée qui offre une possibilité, je veux dire, presque infinie de découvertes. Effectivement, on a vraiment de la chance, déjà par notre situation géographique. On est le côté suisse de l'espace Mont-Blanc, situé entre Martigny et Chamonix. Et cette vallée, elle a été le théâtre de beaucoup de voyageurs, déjà depuis le 19e siècle, qui voulaient découvrir cette vallée sauvage et qui traversaient toute la vallée, depuis la plaine jusqu'à Chamonix. Et donc on a une histoire touristique. Et puis on a aussi des richesses naturelles, des richesses de patrimoine incroyables. Alors j'invite tout le monde à venir découvrir cette vallée côté suisse de l'espace Mont-Blanc. Alors Luc, finalement, d'ici peu on découvrira le barrage, mais il y a d'autres endroits que tu nous invites à voir, voilà. Alors oui, il y a des attractions touristiques assez incroyables ici, donc Vertical Pémosson qu'on découvre aujourd'hui. On a le zoo des Marécottes, qui est le zoo le plus haut d'Europe, avec des animaux bien de la région, des ours, des loups, des lynx, avec à l'intérieur du zoo une piscine incroyable. Et puis on a aussi des ressources naturelles comme des gorges, des cascades, des bisses, des glaciers, des lacs de montagne. Donc c'est une nature très préservée. Et puis pour la découvrir, on a aussi un train qui traverse toute la vallée, le Mont Blanc Express, depuis Martigny à Chamonix. C'est en soi une attraction touristique avec des ponts, avec des falaises. C'est vraiment un voyage panoramique exceptionnel. Et puis voilà, on vous invite, vous serez les bienvenus dans cette vallée. Si vous voulez en savoir plus pour préparer votre séjour, vous pouvez aller sur le site internet valleedutrien.ch. Parfait, on fera ça. Merci Luc. Merci.
Alors, à nos dos, finalement, le bassin des Maussangs. Un bassin assez important, le deuxième en Suisse. Oui, alors derrière nous, on a le bassin d'accumulation des Maussangs avec 225 millions de mètres cubes d'eau. Mais ce que tu vois, c'est le plus grand. Mais il y en avait d'autres. Il y en a un qui est derrière, qui s'appelle Barberine, qui était, c'est le premier que les CFF vont construire. Qu'on ne voit pas maintenant. On ne voit pas, parce que évidemment, il est dessous. Dessous le lac actuel, enfin ce que tu appelles le lac. D'accord. Donc le premier qui barrait la vallée en haut, Barberine, 1920-1925. Ensuite tu as le deuxième, c'est celui que tu vois tout là-haut. Cette barre un peu cimentée comme ça, ce bloc cimenté. Ça c'est ce qu'on appelle le vieux Émosson. D'accord. Et là, derrière nous, cette grande étendue d'eau, c'est Émosson. Donc, à fur et à mesure, l'homme s'est rendu compte du potentiel qu'il y avait avec Bien toute sûr. Cette eau et il a décidé de l'exploiter pour la production d'énergie électrique. Bien sûr, il y a déjà le potentiel et après, il y a la nécessité parce que les CFF vont construire le deuxième barrage que tu vois derrière nous plus haut, qui s'appelle le vieux Émosson. Celui-là va être construit parce que les CFF se sont rendus compte qu'ont besoin de plus d'électricité. Et l'électricité, ce qui est important de savoir, c'est que l'électricité hydraulique, c'est une énergie de pointe. Donc c'est très rapide à mettre sur le réseau. Et c'est très, très, très intéressant. Et voilà, parce qu'à fur et à mesure qu'on en a besoin, on relâche plus d'eau. Et donc ça met en... On est très réactif avec l'électricité, avec l'hydraulique pour fabriquer de l'électricité. Alors, tout ce que tu m'as dit, c'est très intéressant. J'ai évidemment envie d'approfondir. Tu m'accompagnes? On y va. Enchantée, Jeannette. Bruno. Boulicot, le grand directeur du barrage de Émosson. C'est ça, exactement. Alors, tu vas m'amener au cœur et au pied du barrage même. Eh bien, écoute, si tu en es d'accord, moi, je te propose de faire une petite visite intérieure du barrage. Donc là, nous sommes à 1930 mètres et puis on va descendre à 1700 mètres, donc 180 mètres plus bas, tout au bas, là. Tu vois, là, si tu t'approches un peu, là, regarde. Ah oui, mais je ne veux pas trop regarder. Tu vois la petite chose? Oui, tu vois oui, la petite chose là-bas? Eh bien, on va aller là-bas, tu vois. Ok, d'accord, hein? Je te fais confiance. Et puis, cerise sur le gâteau, il y a un ascenseur. On n'a pas besoin d'y aller en escalier. D'accord. Mais si tu préfères, il y a aussi, il y a le choix. Alors, on est dans une vallée un peu particulière parce que je vois ce barrage qui est le deuxième en Suisse par rapport au volume d'eau qui porte derrière lui. Mais c'est quand même une vallée qui a une vallée un peu, une histoire un peu particulière parce qu'on en voit un autre là et tu me diras qu'il y en a un autre. Mais oui, on ne le voit pas actuellement, mais il y en a un autre, effectivement. La vallée de Barberine, la vallée des Maussangs. Barberine, pourquoi? Parce que le nom du torrent, historiquement, a été construit par les CFF, les chemins de fer fédéraux, donc les trains suisses, dans les années 1920, 1925, 1927. Donc, ils ont édifié un premier petit barrage, qui est actuellement sous l'eau, qu'on ne voit pas. Ah, d'accord. Voilà. Et, à un moment donné, dans les années 1950, donc après l'épopée, enfin après la Deuxième Guerre mondiale, il a fallu reconstruire les pays, notamment la France. Et le besoin d'énergie était important, très fort. Le fameux 30 glorieuses. Et surtout peut-être aussi la volonté d'être indépendant, parce qu'on se disait cette énergie nous rend indépendants, on n'a pas besoin des autres. Exactement. On sait qu'on est à l'altitude 1926 mètres. Et donc, vous, chaque mois, vous devez faire toute la galerie ou toutes les galeries. Toutes les galeries. Pour voir qu'il n'y a jamais une fuite d'eau, n'importe quoi. Voilà, pour regarder les paramètres, les mesures pour les galeries. Et normalement, là, vous devez faire 1,1 volume de béton. Millions de mètres cubes. Ah, voilà. Millions. 1,1 million de mètres cubes. Donc, c'est le volume de béton qui était nécessaire. Donc, c'est ça, là. Voilà, on est dans ce couloir qui traverse le barrage. On se demande, est-ce qu'il y a des systèmes, bien sûr, pour contrôler que tout se passe bien? Parce que de dehors, le barrage paraît parfait, mais à l'intérieur, vous avez tout prévu.
Oui, absolument. Absolument. Il faut savoir que le barrage, il est rempli de systèmes de mesure. Donc la galerie que nous avons traversée, en fait, il y en a 8 dans toute la hauteur du barrage, il y en a 8. Et parmi ces instruments de mesure, il y a ce qu'on appelle les pendules. Okay. Sur lesquels nous sommes ici, il y a 5 pendules. En fait, un pendule, c'est relativement simple. C'est un système, en fait, de fil à plomb qui va permettre de voir si le barrage bouge. Parce qu'avec la force de l'eau, un barrage va s'opposer à l'eau qu'on stocke. D'accord. Donc l'eau, le barrage va bouger dans la saison, va bouger en fonction de la hauteur d'eau, va bouger en fonction de la température. Donc un barrage bouge, et c'est normal. Ici où nous sommes là, nous sommes ici, parfait. Le barrage bouge maximum de 9 cm. Ok. Entre l'été, l'hiver, qu'il soit plein, qu'il soit haut, donc il bouge de 9 cm. Donc ça, c'est tout à fait normal. Ça, c'est normal. Voilà, ça, c'est normal, il ne faut pas s'inquiéter. Donc, à partir de là, on va quand même regarder dans cette enveloppe des 9 cm, on va regarder s'il y a des dérives qui peuvent être suspectes ou pas. D'accord. Donc, le fil à plomb va nous permettre de voir si le barrage bouge rive droite, rive gauche, amont, aval, dans des tolérances qui sont normales. Alors, on a pris l'ascenseur, tu m'as amené à combien de mètres on a fait avec l'ascenseur? Alors, nous avons descendu 8 étages, donc 180 mètres. Pas mal. Donc, au-dessus de notre tête, nous avons 180 mètres d'eau. Oh, ici, derrière. Derrière. Derrière ici. Voilà. On cherchera donc de se dépêcher, comme ça. Oui, oui. Alors, faisons vite, si tu veux. Combien de mètres cubes d'eau on a derrière? Alors là, on a le barrage a une capacité de 225 millions de mètres cubes. Là, il n'est pas tout à fait plein. Je dirais 200 millions de mètres cubes. Quand même. Mais je dirais 25 millions de plus ou de moins. Ouais. Hein, on en est pas. Ouais, ça va. Hein. C'est un endroit très important pour la sécurité du barrage, puisqu'on est pratiquement au point le plus bas du barrage. Ouais. Donc, c'est à cet endroit qu'on trouve des vannes. Donc, on voit deux vannes, hein, ouais. Deux vannes qui permettent d'évacuer l'eau du barrage en cas de crue. C'est-à-dire que si le barrage était plein et qu'on n'est pas capable d'accueillir plus d'eau, il faut préventivement baisser le niveau du lac. Entre ces vannes-là et puis d'autres vannes à côté, jusqu'à 200 mètres cubes par seconde. Par seconde. Voilà. Et tu m'as dit que pour évacuer tout le lac, il faut à peu près 20 jours. Voilà, à peu près une vingtaine de jours. Une vingtaine de jours. Si on devait vider entièrement le lac, pour une raison ou pour une autre, on a fait des calculs, c'est à peu près 20 jours. Voilà, 20 jours. Ok. Voilà. Bon, maintenant, il ne nous reste que de voir le barrage d'en bas vers l'eau. Voilà, hein? Voilà. Eh bien, je te propose de y aller, hein, de sortir. Parfait. Et puis, on va découvrir du bas le barrage. Waouh! C'est impressionnant! Voilà! Incroyable! 180 mètres! Ouh là là! 540 mètres de long, 180 mètres de hauteur. Donc. Mais alors, finalement, ce barrage est soit voûté en cette façon que en cette direction. Exactement. Dans les deux directions. Exactement. Un barrage voûte, pour qu'il retienne l'eau, il faut qu'il soit voûté de rive droite à rive gauche, en fait. Ouais. Et là, la particularité de celui-ci, c'est que, comme tu le vois, il est également voûté sur sa hauteur. Ce qui donne cet aspect un petit peu attirant. Ouais. On est attiré par, bien que ce n'est pas le vertige, hein, on n'est pas en surplomb, on est en dessous du barrage, et tu as l'impression d'avoir le vertige comme si tu étais au-dessus. C'est une sensation hyper drôle. Ouais.